Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft de mon monde survie. Donc dans ce monde, dans cette vidéo je veux dire, je vais faire une deuxième maison genre comme ça, mais juste en face, comme ça sera bien, mieux. Ça sera pratique aussi. Donc on va commencer par faire le bas. On va essayer de faire genre comme si c'était un arbre. Des feuilles pour cacher. Si on n'en a pas assez, on ira en chercher. Si vous ne savez pas comment prendre les feuilles directement comme ça sans que ça disparaît, en fait, il faut le faire. Ça va pas se mettre. Il faut prendre les cisailles, c'est ça qui nous aide. Regardez, c'est comme pour avec le mouton, ça se place avec des feuilles, donc on prend. Plein de petites feuilles, des petites feuilles. Donc, on va continuer le camouflage. Mais il faudra que je mette quand même du bois, sinon les feuilles risquent de disparaître. Ah, c'est pas les mêmes feuilles. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Bon, je n'ai pas assez de bois, je vais en chercher de l'autre côté. Donc, je vais faire une petite hélice. Donc voilà, j'ai récupéré mon bois, donc je vais continuer. On va se mettre ça. Bon, cette technique, elle utilise beaucoup de bois, mais ce n'est pas grave. Il y a toute une forêt de l'autre côté. Voilà, donc maintenant on va camoufler tout ceci. Bon, après il y aura des torches, ça va un peu se faire voir, mais ce n'est pas grave. Plus.
Il faut faire genre que ça soit un retard. C'est bon. J'ai la base de la maison. Donc ici je peux tout voir et tout. Ici, on va mettre l'échelle que je n'ai pas. Et après, la passerelle elle est assez pratique parce qu'elle met assez beaucoup. Bon, le lit, après, je le mettrai au pas. Comme ça. De loin, ça se remarque pas trop, ça va. Voilà. Donc voilà pour ma maison camouflée. Il faudra juste camoufler toute la passerelle. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo, on va aller visiter l'autre côté, donc ici, comme on ne l'a jamais fait, parce que à chaque fois on est de l'autre côté. Donc on va prendre le foin comme on en a pour attirer les moutons. J'espère que je trouve pas des vaches. Un mouton, il est là, ça. On va aller détruire ces fleurs. Je trouve toujours plein de cochons, mais j'ai pas de carottes pour attirer des cochons. Donc c'est assez chiant. Ah, il commence à faire nuit. Il faut que je vais vite de l'autre côté. Toujours là, ça. C'est là un mouton. Donc on se retrouve pour le jour. Nous revoilà pour le jour. Donc j'ai pu emmener les moutons à l'enclos que je s'est agrandi. J'avais pas des fleurs avant. Ah mince, je crois qu'elles sont restées là-bas. Bon, je vais prendre des coquelicots. Ça marche aussi, j'espère. On peut jeter quoi, on peut jeter ce truc. Oui, ça marche. Donc, comme vous le voyez, j'ai colorié un mouton jaune. Oups. Tondre. 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 Je vais aller à ma nouvelle maison. Comment ça s'appelle déjà? Un coffre, donc je vais faire un coffre. Hop là, j'ai même pas assez pour le coffre. Mince, le lit, il est tombé. Il est tombé. Oui, il est là. Il y a quoi que je peux jeter? Il y a le champignon que je peux jeter. Oh là là, allez, 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 allez. Voilà, donc je récupère mon lit. Hihi.
Va t-il ce nouveau coin? Non, le lit, je vais le mettre comme ça. Mon coffre. Je vais là. Et on va le mettre là. Donc, je vais mettre les trucs inutiles. Ça, on en aura besoin après. Ça aussi. Je vais aller vite chercher les roses et les fleurs de là-bas. En même temps, on va tirer le mouton qui est juste derrière nous. Ok, c'était où les fleurs? Ouais. Voilà. Allez, voilà. C'est pas grave si le mouton nous a pas suivi. Il est où? Il est où? On est passé où ce mouton? Voilà. En avant. J'espère qu'il nous suit. Donc on va prendre la passerelle là-bas. Allez, dépêche-toi, mouton. Monte. Recule. Allez. Et on arrive à notre enclos. C'est bon. Donc, je peux tourner les boutons. Là. Noir. Quelle couleur qu'on n'a pas? Je crois qu'on n'a pas le violet. Ouais, je vais jeter tout ça. Bouton. Hop là. Donc il nous reste toujours un blanc. Voilà. On va aller vider tous nos trucs inutiles. Ça, j'ai pas besoin. Ah non, ça, je vais le garder. Pour plus tard. Ça, j'ai pas besoin. Ah, j'ai du fer, j'ai pas vu. On va se faire un établi qu'on va poser ici. Non, je n'ai pas vu le trou. Donc j'ai les établis, on va le poser là. On va faire un fourneau qu'on pose là et on va faire fondre tout ce fer. Donc je vais mettre le charbon. Je vais faire un coffre spécial. Vous verrez spécial pourquoi. Ah voilà. On descend dans le trou. On y va vers là-bas. Le coffre, je vais le poser. Et là, je vais mettre toutes les moutes. Les laines. Et les œufs. Donc, je vais faire le tout. Faut bientôt que je me fasse un nouveau. On va le tondre. Et il manque le rouge. Bouge pas. Et voilà.
Donc après, on va tout récupérer. Je vais mettre tout ça là. Pour plus tard, peut-être. Donc je pense que ça sera bientôt la fin de la vidéo. Bien sûr, de temps en temps, je joue sans filmer, ça risquerait... sinon ça prendrait trop longtemps. Comme la passerelle ici, j'avais déjà commencé. Et l'agrandissement de l'élevage, je l'avais déjà fait aussi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine et abonnez-vous.